Bonjour, je fais ça parce que c'est tasse du jour bonjour en fait à l'origine. Petite tasse Mickey en mode Mickey quoi, en mode trouvaille de brocanche. C'est tellement bon café, c'est tellement bon et tellement pas bon à la fois. Le mec il part en cacahuète. Franchement, on est d'accord. Le café, c'est bizarre comme goût. Parfois c'est bon, parfois c'est pas bon. Peut-être, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je le finis, hein, comme ça au moins. Y en avait bien dedans. Le mec, il va se justifier. Il y avait bien du café, hein, je fais pas semblant. Bref, allez, on va commencer par vous souhaiter, parce que nous sommes, pour nous lundi, pour vous vendredi. J'allais dire quoi? Nous sommes la rentrée, nous sommes à la rentrée. Je vous souhaite une très bonne rentrée. Voilà, pour commencer. Donc, pour le côté un peu info familial, je vais un peu vous dire nous dans quelle classe ils rentrent tout ça. Hier, juste avant, hier, nous sommes partis quand même chercher des pommes, hein, parce que c'est vrai que j'en ai parlé dans le vlog, mais finalement, on n'y a pas été, je ne l'ai pas filmé parce que le vlog était trop long, mais nous avons quand même été chercher des pommes dans le petit, alors juste pour info, pour ceux qui habitent dans le coin, c'est sur la route du Mandirac à Gruissant, donc voilà. Et pour ceux voilà, qui veulent l'info, qui sont sur Facebook, c'est Pommes sur Arbre, Narbonne. Après, en général, quand tu habites dans le coin, tu connais. Voilà, donc c'est 80 centimes le kilo. Et il y a des grosses pommes comme ça, pour le moment, vu que personne n'y a été encore. Il a ouvert que la semaine. Voili, voilou, il y a des vertes et des rouges. Allez, bref, rentrée scolaire, comme je disais. Donc, pour côté info familiale, je le disais, familiale de ma famille, hein. Que je le dis pas que pour ma famille, hein. Voilà. Parce que je sais très bien qu'il y en a certains qui, certaines, surtout certaines, parce que c'est, il y a beaucoup de filles qui nous suivent, qui me suivent depuis très longtemps par rapport au scrapbooking, voilà. Et donc Aya passe en CM1 cette année, hein, voilà, tout simplement, dans même école, pas de changement, tout ça. Adam, ça va être à mon avis le plus difficile. Adam rentre en 6e dans un nouveau collège, donc fatalement, nouveau collège, oui, dans un collège parce qu'il est en primaire, et fatalement, il rentre dans un collège qu'il ne connaît pas, avec les nouvelles normes de sécurité, la nouvelle normalité. Ça va être assez difficile, je pense, pour lui cette année, parce que fatalement, il arrive dans un collège qu'il ne connaît pas. Nous, on ne peut pas rentrer, on ne peut pas l'accompagner, donc. Il a déjà des directives comme quoi il faut aller qu'il aille à sa classe, il a déjà le nom de sa classe parce qu'on nous a appelé. Mais en gros, à mon avis, les 2 premiers jours, 3 premiers jours, il va être perdu. En plus, il n'a jamais mangé à la cantine. Cette année, il mange à la cantine. Il y a le masque en plus, à mon avis, qui va le gêner. Franchement, je sens que cette année va être plutôt difficile pour lui. Voilà. Sinon, pour Yaël, elle rentre en 3e année du brevet. Donc. Yael, on s'inquiète pas parce que elle bosse très bien et en général, voilà, elle gère. De toute façon, elle change pas de collège. Et grosse nouveauté. Donc ce matin, je suis parti emmener Mathéo au train parce qu'il part en apprentissage en CAP, je crois. Je ne sais même plus. Je sais plus si c'est un CAP ou un apprentissage. Tu vas me dire, ça se trouve, c'est la même chose. Chez son père, donc pour faire plomberie. Je crois. Le mec il s'intéresse. Non, je rigole. Non, 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 je rigole. Non, parce qu'en fait, il a changé plusieurs fois de trucs. Au début, il voulait faire électricien. Après, il voulait faire autre chose. Et là, je crois qu'il s'est arrêté sur plomberie. Au début, c'était même boulanger. Il voulait faire. Donc là, pareil pour lui, un très gros début d'année. Parce que fatalement, il rentre dans le monde du travail. Voilà. Et à mon avis, ça va être très compliqué pour lui. Surtout, voilà, très loin en plus de ça. Ouais, bref, je vais pas exister truc. Voilà. J'extériorise. Il commence à faire chaud. Je veux aller chez le coiffeur, mais ma femme ne veut pas. Non. Non. Désolé. Non, c'était pas ça que je voulais faire. C'était carrément pas ça. Ah, je me cache. C'est mieux. Voilà.
J'ai plusieurs choses à faire. Déjà, je vais vous montrer. Et franchement, j'ai saigné de ouf. La machine à coudre. Voilà, j'ai saigné de ouf la machine à coudre. Je me retrouve, parce que j'en ai déjà fait, hein, j'en ai déjà fait énormément. Je me trouve et retrouve une bonne petite passion parce qu'en fait, donc on a une machine depuis très longtemps hein, qui nous avait été offerte par Maggie, si tu passes par là, Maggie Scrap. Voilà. Qui déconnait fortement parce qu'en fait elle n'était pas du tout réglée, tout ça, et je sais pas si j'en ai parlé la dernière fois, elle déconnait énormément et les aiguilles en plus se pétaient. J'ai trouvé sur internet un petit tuto pour régler déjà au niveau des fils parce qu'en fait derrière il y avait toujours un fil qui dépassait, en fait, qui dépassait, il n'y avait pas de serrage de fil et donc j'ai trouvé un tuto, en fait, c'était juste une vis à faire, voilà. Et le fait que les aiguilles se cassent, en fait, c'est juste que je ne serrais pas assez une autre vis, voilà. Donc, pour vous dire, j'en ai fait samedi, je crois, samedi ou dimanche, des masques. J'ai fait tout ça. Bah, j'en ai fait quelques-uns avant, mais j'en ai fait énormément. Déjà pour la rentrée scolaire des enfants, parce que bah, il leur faut des masques et leur faut deux par jour, voilà. Et j'ai pété, à l'origine, c'était ça que je parlais, j'ai pété 4 aiguilles en une demi-heure. Tout ça parce que je vissais mal le truc. Voilà. Et ça tapait dans la machine à coudre. Voilà, bref, allez. Celui-ci, je vous l'ai déjà montré, si je me rappelle bien. Le petit Toy Story. Alors, le seul truc que j'ai fait, c'est en fait, c'est j'ai enlevé l'élastique. Parce qu'en fait, il y a plein d'élastiques. On va parler un peu couture avant de commencer. En fait, tout ça, il faut que je les repasse. Parce qu'on les a lavés. Il y a plusieurs élastiques. Tu as les élastiques de chirurgien. Je vais faire flou. Voilà. Non, c'est pas ça. C'est plus ça. Voilà. Il y a les ceux-là de chirurgien. Tu as les gros élastiques comme ça. Et tu as ceux-là. On va dire chirurgien, mais plus épais. Mais comment dire que moi, je préfère largement ceux-là. Aux autres, les autres, je trouve que ça ne maintient pas. Et les gros élastiques, par contre, j'aime pas. Donc, en fait, j'ai mis des lacets, tout simplement. Parce que j'aime quand j'aime attacher. Voilà, tout simplement. Et donc, voilà. J'ai fait celui-ci, je vous l'ai montré avec l'arrière. En plus, j'ai fait des doubles, des réversibles. Alors, oui, on va les laver. À chaque fois, au fur et à mesure, hein, je ne vais pas m'amuser à le mettre comme ça et après, 2 heures après, le mettre comme ça. De toute façon, des Toy Story, on en a un chacun avec ma femme. Ça va être quand on part pour son anniversaire à Disneyland. Ensuite, des Aladdin, j'en ai fait pas mal. Voilà, j'en ai plusieurs. Donc, j'ai Aladdin tout simple. Donc, celui-ci, c'est pour Corinne. Le jasmine que j'ai fait, donc jasmine et Aladdin. J'ai le génie. Et normalement, il doit y en avoir un autre Aladdin. Ah non, c'est un autre génie. Voilà, bah celui-ci avec les élastiques, mais les élastiques qui vont derrière la tête. Voilà, je l'ai déjà dit la dernière fois. Et ensuite, donc celui-ci, je l'ai déjà montré. J'ai fait un petit Olaf qui est fort choupinou. Le seul petit défaut qu'on trouve sur ce tissu, c'est qu'en fait, il y a des taches violettes. Alors, on dirait que ça. En fait, quand tu ne connais pas le tissu, tu as l'impression que c'est toi qui l'a sali. Attendez, hop, voilà. Et donc, en fait, tu as l'impression que c'est toi qui l'a sali, alors que, en fait, c'est le tissu qui fait ça. Lui, il est Olaf, les deux côtés. Voilà. Il est plutôt sympatoche, hein. Voilà. Ensuite, bon, coupage, petite batterie, voilà. Bref, j'ai fait un petit mini, c'est un petit tissu, un petit, pourquoi il faut que j'arrête de dire petit. C'est un tissu qu'on a récupéré samedi, voilà. Donc un mini, j'en ai fait qu'un seul. Et derrière, c'est Dembo, donc pareil, réversible, donc pour Corinne. J'ai fait un Mickey comme ça. Comment il est trop stylé celui-ci aussi. Hop. Donc un Mickey celui-ci. Et si, admettons, un autre jour, je veux mettre, j'ai ce Mickey ici. Ensuite, pareil pour Corinne. Donc petit Mickey ici. Avec un petit Mickey
derrière. Donc là, il faut en fait, vous avez vu, hein, c'est tout froissé. Il faut absolument que je les repasse. Aujourd'hui, hop là, j'ai fait un mini en mode dessin et un mini en mode un peu plus comme Mickey. Donc voilà, donc en fait, j'ai essayé de faire en sorte qu'on soit assorti au niveau des masques. Hein. Bien sûr, j'en ai d'autres à faire. Déjà, un, j'en ai plusieurs à faire avec du flocage. Il faut que je teste avec du flocage. Et en plus, on a pris des tissus pour Halloween au cas où. Voilà. Et après, j'ai fait des masques tout simples. Donc, ceux-là, pour les enfants. Donc, bleu, bah, gris, voilà, avec des carreaux. Et gris tout simple. Voilà. Tout simple. Voilà. Et un turquoise, yel, vous voulez un turquoise. Alors là, je l'ai fait dans un tissu de vêtements à l'origine. J'espère que ça va le faire. Et donc j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je crois que j'en ai fait 8 parce qu'il doit m'en rester un là-bas. 8 pour les enfants. Pour la rentrée des classes. Bah, pour la rentrée pour l'école. Bref, oh, je parle beaucoup trop déjà ce matin. Mais je sais que vous aimez ça. D'après ce que j'ai compris, vous aimez quand je parle beaucoup tout le temps. De toute façon, beaucoup le mettre en fond, ça je le sais. Et en plus, un truc que j'ai remarqué, c'est que beaucoup ne sont pas abonnés à la chaîne YouTube, mais regardent la vidéo. Donc si tu fais partie de ces personnes, n'oublie pas de t'abonner. En plus, le nombre de vues, tu regardes la vidéo, mais tu la likes pas. Voilà, donc like la vidéo. Après le commentaire, si tu as un petit peu le temps, bah, tu laisses un petit commentaire. Tu marques juste un petit salut, t'as vu? Ou marque bonne rentrée, ou je t'aime Romain. Ouais, je sais, je pète un câble. Donc, programme de ce matin, repassage, designage de ce que je peux floquer sur un masque. J'en ai déjà un, déjà de sortie. J'ai tout ça à ranger. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Voilà, je vous montre ça. Et ils sont sur la boutique. Je lance. Allez, en tout cas, j'espère que vous êtes content du retour de Romain Bay. Les gens, les caméras comme ça. Bref, alors comme tu as pu voir dans le petit time lapse d'avant, bon, j'ai décidé de tout changer dans la pièce, de tout déplacer, de tout nettoyer parce que bah, faut dire que quand tu as deux ados, parce qu'en fait cette salle à l'origine, voilà, c'est une salle créative, bref, tu as compris, c'est un peu tout et n'importe quoi, aussi salle de gaming. Et là, bah, vu qu'il y a eu les vacances confinement, il y a eu les confinements vacances, voilà, hein, c'était plus une salle de gaming
qu'une salle de création. Voilà. Bref, maintenant je me réapproprie cette pièce un peu. Donc je nettoie un peu voilà, ce qui traîne, tout ça, nettoyage de canapé. Parce que si tu attends que les enfants, des ados nettoient à ta place, eh ben ça sera jamais nettoyé. Cet après-midi, je continuerai un peu là-haut à nettoyer, à ranger. Je vais me faire un petit coin où je vais mettre maintenant la couture. Ouais, j'ai envie de maintenant, sérieusement, c'est un truc que je vous le disais, c'est un truc que j'ai, voilà, que j'ai envie de faire d'autres trucs maintenant. Je suis chiant, je l'avoue, je l'admets. Je l'ai déjà dit dans une vidéo, quand je me passionne sur un truc, je me passionne sur autre chose. Voilà, là, les masques, c'est assez. Pour moi, je trouve que c'est assez rapide et facile à faire, donc tu peux en faire assez facilement. Donc là, en plus, je vais lui incorporer tout ce qui est flocage, voilà, vu que j'aime ça aussi, le flocage des t-shirts, tout ça. Donc je vais y incorporer ça, voir ce que ça donne, déjà, premièrement. Je vais lancer, ouais, parce qu'il est quelle heure? 11h18. Ouais, je suis descendu parce que, bah voilà, il est 11h18, il faut que je fasse à manger. Et la batterie, en plus, l'autre batterie, il n'y avait plus de batterie, donc la batterie est en bas, il faut que je remonte matos là-haut pour ranger un peu aussi le bas, parce que, bah, fatalement, comme je viens de le dire, quand tu as deux ados qui squattent une salle, bah, tu vas plus trop, parce que soit ça pue le fennec, soit, voilà, c'est en train de gamer, de gaming, donc voilà, sans plus, même si je joue, hein, je joue un petit peu, mais j'aime bien jouer tranquillement, sans bruit, sans personne, sans tout ça. Et donc, j'avais descendu tout ce que j'avais besoin, je l'ai descendu en bas, donc machine à coudre, tout ça, voilà. Hein. Mais bon, rentrée scolaire, ça veut dire vacances pour les parents, à ce qui paraît, mais c'est surtout calme à la maison, voilà. Et je vais lancer un concours là d'ici, donc toi si tu regardes cette vidéo, si tu ne l'as pas vu sur Instagram, sur mon compte Romain Sia, je vais lancer un concours de, je vais faire gagner des badges que je viens de recevoir, voilà, tout simplement, allez, un lot de badges. Pour midi, sans queue ni tête, hein. Pour midi, ça sera poêlé asiatique. Salut. C'est un truc de malade. Heureusement, on a mis des rideaux. Mais les gens, c'est plus fort qu'eux. Ils passent devant et il faut qu'ils regardent à l'intérieur. Je ne fais jamais ça. Sincèrement, je ne fais jamais ça. Mais tu les vois, ils passent comme ça. Et ils sont comme ça. Et d'un seul coup, c'est... Voilà. Alors, est-ce qu'il y a garde notre magnifique collection de tasses qui est juste ici? En fait, on aurait dû se mettre comme ça directement, comme ça aurait été mieux. Voilà, je ne sais pas, mais c'est vrai que être au rez-de-chaussée comme ça, bah, c'est une maison. Hein. Et surtout que les gens se rasent la fenêtre. Voilà. Bon, bref, j'ai des légumes à éplucher, à couper. Je vais les faire en tagliatelle, donc et je vais mélanger tout ça avec des nouilles sautées et avec du poulet tout simplement et du sauce soja sucré. Je vous fais pas de time lapse de ça, je vous montre directement le plat quand je le mettrai en plat, quoi. Bien. Merci.
nous retrouvons après cette petite pause couture qui est juste ici. Mais à vrai dire, hein, j'ai commencé à monter le vlog, je crois qu'il dure à peu près 20 minutes, donc je vais vous quitter là-dessus. Et en plus, il est 19h33 exactement. Je viens de finir mes masques et comment vous dire que... alors celui-ci, je ne vais pas vous le montrer tout de suite. Je vais juste vous montrer ça, j'ai voulu faire le mode en mode c'est moi qui les ai fait. Mais là, je l'ai mis en grand. Voilà, mais sur les autres d'après, je les ai fait en plus petit. Voilà. Oh. Voilà, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts pour ça. J'en ai fait deux. Le premier, c'est celui-ci. Donc, c'est un flocage que j'avais déjà fait il y a un petit moment. Et en fait, je le garde. Tout ce que je fais, je les garde. Les découpe, je vois. Et donc, voilà. Hop. Donc j'ai encore mis des lacets, hein. Je me suis pas pris la tête. Moi je préfère vraiment, c'est un truc de fou, je préfère quand j'attache quoi. Voilà, j'attache, tac. Et j'attache là, hop. Avec le petit SIA là. Et je trouve que... je sais pas, les coutures, franchement j'en suis trop fier. Hein. Mais le pire c'est même pas celui-ci, le deuxième est magnifique. Et je vous le montre, c'est celui-ci. Voilà. Et par contre, celui-ci, comme je vous dis, donc avec l'intérieur noir, voilà, lacet noir et couture noire. Voilà. Mais je trouve que j'ai réussi à faire finition plutôt pas mal pour un amateur, hein, parce que je suis pas couturier, hein, je l'ai dit la dernière fois. Mais voilà, après avec le petit Simba, j'en ai un autre qui est là en cours de réalisation, ce sera pour Corinne parce que dès que je lui ai montré, elle m'a dit moi j'en veux un aussi, donc il est là, hop, voilà, ça ressemble à rien en fait, quand tu vois c'est juste un tissu et après il y a toutes les coutures à faire, mais en tout cas j'en suis super content. Je sais qu'en ce moment c'est beaucoup beaucoup ça, hein, beaucoup de masques parce que je vous en parle quasiment tous les jours en ce moment. C'est abusé. Bon, demain, je vous parlerai pas de ça. Mais demain, en fait, je vais pas venir. Non, je sais pas. On verra demain. Je pense que si, on fera une petite vidéo tranquillou. Et voilà. N'oublie pas le petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Le petit commentaire, ça fait encore plus plaisir. Et en plus, pour le référencement, tout ça. Ce qui paraît, je sais pas, j'entends tous les youtubeurs dire ça. Ouais, n'oublie pas le pouce bleu pour le référencement. Voilà, donc n'oublie pas le pouce bleu pour le référencement. Voilà, et le petit commentaire. Et le petit abonnement, si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Tu regardes mes vidéos tous les jours. Quasi tous les jours. Je sais, je te vois. Je vois que tu regardes les vidéos tous les jours, mais tu n'es pas abonné. Donc abonne-toi, ça fait toujours plaisir. Bref, allez, je vous dis peut-être à demain si tout va bien.